Salut, c'est Wendis, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Bros. Et comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, je vais lancer le jeu. C'est juste pour avoir le son, je vais juste baisser un tout petit peu. Attendez, excusez-moi, je fais juste le réglage. Voilà. Donc on se retrouve sur Super Mario Bros. Donc... Et comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, c'est un tournoi intertester. Ça fait longtemps qu'on a fait ça. La dernière fois, c'était... C'était quand? C'était il y a 4 ans, 5 ans, un truc comme ça? Non, peut-être pas si vieux, mais... Voilà, il y a un moment. C'est vieux. J'étais encore... Je crois que j'étais encore chez mes parents. Sûrement. Donc, on se retrouve pour le tournoi Intertester de Kintaro 15. En fait, je pense toujours à son ancien pseudo et pas à son nouveau. Donc, le tournoi Intertester sur Super Mario Bros. NES version PAL. Donc, j'espère que c'est la bonne version, parce que j'ai une version européenne. C'est marqué version PAL hein, quand je la lance. Donc, j'espère que c'est la bonne version. Et le but de ce tournoi, ça va être d'aller le plus loin possible. Donc, ça va être d'essayer de finir le jeu. On a le droit, alors si j'ai bien compris, on a le droit à 5 vies maximum. Je crois avoir compris ça. Hein. Donc, on part avec 3 vies de base. Mince. On n'a pas le droit au Warp Zone. Si mes souvenirs sont bons. Un peu comme à l'époque du Super Mario Bros. De... comme on avait fait avec avec Vince Link du 59, souvenez-vous. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc il y a des risques, je meurs beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Parce que voilà, tout simplement... Je crois que la dernière fois que j'ai joué à Super Mario Bros, c'est la dernière fois que j'ai joué... que j'avais fait une... J'avais tenté de faire une revanche sur Super Mario Bros. Parce que j'étais arrivé quand même assez loin à l'époque, je me souviens plus trop. Et voilà, bon, depuis, j'ai pas retouché au jeu. Tout simplement. Bon voilà, Super Mario Bros, c'est pas le jeu auquel je joue le plus, hein, on va pas cacher. Hop. Alors, je me souviens un peu des tips qu'on avait sur ce... Ouh là là, ce Super Mario Bros. On avait... là c'est loupé. J'allais dire, si on récupère toutes les pièces, normalement, ça fera apparaître un one-up sur le prochain niveau 1. Donc sur le 2-1, et à chaque fois, dans le niveau 3 du monde, ça, si on récupère toutes les pièces, on obtient tout simplement... la possibilité d'avoir un champi one-up sur le niveau 1 du prochain monde. C'est ça. Et il y a aussi le truc du feu d'artifice. On part à 9 en étant au bout de la plateforme. On saute. Normalement, on arrive à avoir un 6 en dernier chiffre. Et comme ça, on a les 6 feux d'artifice. Alors, je vous cache pas hein, que... On est toujours sur du Super Mario Bros, donc j'ai du mal avec la physique de ce jeu. En plus, c'est pour ça que ça me paraît bizarre que ça soit la version PAL, mais bon, j'ai regardé un peu les autres participations et le jeu tournait à cette vitesse.
Parce que ça me fait bizarre parce que le jeu est vraiment très rapide, je trouve, pour... C'est vraiment très étrange. Ah oui, on peut le tuer comme ça, hein. Hop. Ça fait plus de points. C'est vrai. Et bien sûr, un plaisir hein, quand même de se faire un petit... on va dire une petite détente, hein, parce que c'est de la détente aussi. Hein. Là, on est clairement en mode détente. Même si, voilà, tournoi... tournoi, c'est pas en mode... je crois qu'il y a un bloc caché ici, non? Ouais, voilà. Et normalement, en fait, si j'avais récupéré toutes les pièces en 1-3, ici, il y avait un bloc qui apparaissait. Qui était invisible, mais qui me donnait un champi one-up. Sauf que, bah, comme je me suis loupé... Bon, on va faire des points. On n'est pas pressé, on n'est pas en mode... on n'est pas en mode speedrun. Je crois que par là, il y a... Ouais, voilà. Ça, je me souviens. Hop. Alors, comme dit, hein, je suis pas un spécialiste de Super Mario Bros, donc je connais pas forcément les passages, les trucs. En plus, j'ai peur de choper une warp zone sans faire gaffe. Donc, on va éviter. Parce que je les connais pas tous. Hein. Je sais qu'il y a des warp zones en prenant les haricots, là. Je m'en souviens. Et il y a le... Il y a les warp zones à la fin des mondes... des niveaux cavernes. Ça aussi, je m'en souviens. Hop là, oh. C'est passé miraculeusement du premier coup, le jump avec le... Avec le ressort. On va falloir que je fasse un habillage, parce que, bon, bah, le jeu, c'est pas un jeu en 16/9, hein, et je veux pas les tirer, parce que sinon, ça va faire dégueulasse. Donc, on va faire un petit... Ah, ça y est, ah, les niveaux comme ça y est, ça commence. Les fameux niveaux aquatiques. Les trous, faut faire gaffe parce qu'il y a toujours... En fait, il y a une sorte de pseudo-courant quand on passe au-dessus des gouffres. Allez, c'est parti. Ça commence. En fait, la physique est tellement bizarre. Alors, en plus, je joue pas forcément avec les meilleures conditions. Hein. Je joue avec une manette Xbox. Parce que malheureusement, je n'ai que ça pour jouer. À des jeux rétro. Donc je sais que c'est pas le meilleur truc pour jouer. Hein. On va dire que c'est un peu du... C'est du challenge en plus. Alors c'est pareil, j'espère qu'au niveau de la qualité d'image, tout ça, parce que... Voilà, je vais pas dire, je vais pas cacher, je suis sur émulation... Et, oh putain, ah, ça y est, ça va être ma première vie perdue, hein. Ah, bah, j'ai gagné une vie. Bon, alors là, ça veut dire on n'a pas... J'ai pas le droit d'avoir plus de vie, hein. Donc là, on a 5 vies. C'est... Ah, ouais. Très bien. J'ai pas le droit d'avoir plus de vie que ce que j'ai. Bon, on va quand même récupérer des pièces, hein. Ça fait de l'argent, ça... Ça fait de l'argent, oui, ça c'est normal. Ok. Ok, bon, ce niveau-là, il est simple. On fait des points, comme ça. Let's go, les points. Et, qu'est-ce que je peux vous dire? On va discuter un petit peu hein, sur cette vidéo. Non, je sais pas trop quoi dire, en vrai. Parce que... C'est vrai que à part faire maintenant des vidéos de let's play, je fais plus tant que ça de... Ah, la physique de Mario... Ah, la physique de Super Mario Bros...
fait, je pensais avoir sauté assez haut et en fait, non. Tout simplement... Alors, on va passer en bas, ouais, je pense. Donc on a perdu une vie, hein. Donc il me reste 4... Ah Alors attendez, excusez-moi, il y a un problème technique. J'ai ma manette qui vient de me lâcher. Je vais mourir. En fait, je reviens. Ah, le problème d'avoir des manettes... Des manettes à pile, hein. Vous savez... Ça lâche au bout de, toujours au mauvais moment. Alors, on va reprendre ça. J'espère que ça va refonctionner directement. J'espère que je vais avoir le temps de finir le niveau, tant pis, hein, sinon je vais mourir. On meurt là, excusez-moi. J'ai 130 secondes pour finir ce niveau. Très bien. Alors, est-ce que ça va revenir? Eh bien, bien sûr, ça ne revient pas. Ah. Attendez. Attendez. Ah. Pourquoi? Pourquoi ça ne prend pas en compte? Si, ça y est, c'est bon. Excusez-moi pour le truc sur l'écran. Hein. J'ai 60 secondes pour finir ce niveau. Le stress. Ok, c'est bon, ça passe. Ça passe. Bon, excusez-moi. Et il fait nuit. Ah, putain. Je savais qu'il fallait pas que je m'occupe d'eux. Ok. Ah, ok, on peut rentrer ici. Très bien. Tant mieux. Si je peux passer... Moi je préfère... S'il y a des niveaux où je peux passer comme ça, hein, tant mieux. Hein. Donc on a perdu une vie. Hein. On rappelle, donc... Est-ce qu'il y a un truc, là? On rappelle, hein, les niveaux... Oui. On me disait bien qu'il y avait une étoile. Comme ça, on se débarrasse d'eux. J'ai beaucoup de mal avec les ressorts dans ce jeu. Ah. Voilà. Merde. Ah, je l'ai fait trop tôt. Voilà. Je me suis loupé. J'ai vraiment l'impression que le jeu va vachement vite en fait. C'est assez étonnant en fait. J'essaye, hein. Je crois que j'étais arrivé à l'époque du premier tournoi. Hein. Je crois que j'étais arrivé au 5-3, mais je suis pas sûr. J'ai un souvenir d'un niveau 5-3 dans lequel je suis mort dans de l'eau en tombant dans un gouffre. Hein. J'ai un souvenir comme ça. Peut-être est-ce un mauvais souvenir, je ne sais plus. Ah, ok. Donc là, pour le moment, ça va. Tranquille. Ok, donc le niveau 3-3. Ça fait toujours 1000 points.
Ah oui, là, c'est les blocs qui se cassent la gueule. Ah, les blocs, les plateformes. Et voilà, qui tombent. Hop. On va attendre. Donc bien sûr, hein, dans Super Mario Bros, mais bon, tout le monde connaît Super Mario Bros. Les Koopas, les Goombas, tout ça. Ah, un feu d'artifice. C'est pas mal. Alors... Ah. On est les petites bulles de lave. Qui sont bien sûr... qui sont bien timées. Oula, ça lagouille un peu, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Vu que je suis sur émulation... Ça fait très longtemps que les émulations, je n'y touche plus du tout, donc j'ai pris un qui était conseillé, j'ai pris, je crois que c'est Mamness, je crois que c'est... Non, même pas, c'est même pas Mam, c'est Mécène, je ne connais pas du tout ce truc, mais c'était le conseillé, donc... C'était conseillé. Il était conseillé, donc on verra si ça va. Bon, niveau 4. Bah, monde 4. Ce qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est à partir d'ici que là, ça va devenir la merde. Voilà. Le fameux Lakituche. Voilà. Comme ça, on se débarrasse de lui. Hein. On va être tranquille pendant un petit moment. Bon, il va revenir vite, hein. Dans mes souvenirs, ils reviennent vite, les Lakitunes en Super Mario Bros. Ah, bon, on a un petit passage. Comme ça, on est tranquille. Alors, attendez, hop. Je vais récupérer juste les pièces. Hop, voilà. Il va revenir, voilà, tout à fait. Mais bon, il va pas rester très longtemps parce que je pense que je suis à la fin. Ouais, voilà. On est à la fin du level, là. Ok. Bon, pour le moment, ça va. J'ai perdu une vie bêtement, en fait, malheureusement. Alors, je pense avoir bien compris qu'on avait le droit à 5 vies grand max, hein. Parce que c'est vrai que sur la vidéo de Kintaro, il dit 5 vies récupérées, on peut récupérer 5 vies, mais il dit qu'on n'a que 5 vies. Alors, c'est vrai que moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on avait le droit qu'à 5 vies. Donc, on va voir. Moi, je vais faire comme ça. Parce que là, on va récupérer une vie, mais là, j'ai pas le choix. Je vais récupérer une vie parce que j'ai de l'argent. C'est à cause de l'argent que je vais récupérer une vie. Non, là, on peut pas. J'essaie de chercher un peu les passages. Hein. Voilà. Parce que voilà, là, je récupère une vie, j'ai pas le choix. Là, j'ai le choix, parce que vous allez me dire, c'est des pièces. J'aurais pu éviter de les récupérer. Hop, voilà, comme ça on récupère les sous-sous. J'ai envie de récupérer ces pièces. Toutes ces pièces me donnent envie. C'est pour ça. On va surtout essayer de faire un peu de scoring. Ah, les bruits insectes, je crois. Non, c'est pas les bruits insectes, ça. C'est les bruits insectes, c'est ceux avec le pic. Ah, si, c'est peut-être les bruits insectes. Je sais plus. Cela. Les petites tortues noires comme ça, je sais plus comment ils les appellent. J'ai plus tous les noms en tête. Hein. C'est reparti pour 196 en time. Ouais, de quoi on peut parler Parce que bon, là actuellement, je vous cache pas que je tourne pas énormément, puisque les vidéos qui sortent sur la chaîne, c'est des vidéos que j'ai tournées pendant mes vacances en juillet et que j'ai tout upload. J'ai tout mis sur... Non, j'ai loupé une pièce, c'est pas grave.
Hop. De toute façon, on va pas récupérer tout, hein. Hop, on va juste choper des petits trucs comme ça. Hop. Hop là, ça passe. Hop là. Voilà, pas trop loin, pas trop loin, ça va aller. Oula, il va super vite. Ah, je me souviens qu'il y a une histoire qu'on peut traverser les blocs aussi comme ça. Je crois que ces plateformes-là ont... Attendez, pourquoi le poteau... C'est normal que le poteau, il est rouge. C'est bizarre, non? Je me souvenais pas que le poteau était rouge. Ah! Ah, donc on est sur un niveau... ça y est, on est sur les châteaux où il faut prendre des chemins... faut prendre les bons chemins, sinon on fait que tourner en rond. Donc là, faut passer en haut en premier, ok? Je crois que dans... Celui-là, je m'en souviens. Celui-là, je crois qu'il faut passer comme ça. On va la battre d'ici. Voilà. Hop là, voilà. Ah, quand on a les boules de feu, ça va plus vite. C'est plus simple. Quand on a la fleur de feu... Le monde 5, je crois que c'était ce monde-là où j'étais mort. Moi, j'ai un souvenir que c'est ce monde-là sur lequel je suis mort lors de la première... lors du premier tournoi de Vince. I think so. Oh. Ok. Oh, il y a les billballs. Les billballs apparaissent à partir d'ici, d'accord. Là, si on avait eu... Quel enculé. Putain, je me suis dit, c'est bon, il tire pas. Mais si, si, il a tiré pile poil quand je me suis relevé. Quel salaud. Cette vidéo est bien sûr plus 18, hein, avec un langage cru et fleuri. Ah, ça va être là. C'était pas ce monde-là. C'est pas ce niveau-là sur lequel j'étais mort à l'époque. Je crois. Hein. Mais putain, et j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai eu de la chance encore, là. Ah putain, ça y est. Le fameux fer marteau qui traverse les blocs. On s'en souvient. Hein. Putain, et celui-là, je le déteste. Comment je le passe, lui? Mais oui, mais nier, comment je le passe? Ah putain. Allez, frère marteau. Ok. Dis-moi qu'il y a un champignon là. Non. Je suis sûr. Hop. Ok. Non, ça on prend pas. Hein. C'est ça, il y a des risques que ça soit une warm zone. Ouf. Oh putain. Ouais, il faudrait que je passe maintenant, mais... la fleur m'emmerde, là. Ok. C'est bon. Non. Ok, c'est bon. Petite étoile. Petit champi, ça fait plaisir. On n'est pas pressé, hein. Ah, mais... Ah... La physique de Mario... Encore. Ah, on a eu le checkpoint. Ok. Bon, on a perdu 2 vies. Oh, attendez. Que lui, des fois, il peut descendre directement tout en bas.
Faut quand même faire attention. Ah non, je croyais que c'était 4000. Attendez, on va récupérer les pièces. Ça vaut le coup. Alors, attendez. Parce que ce saut-là, c'est un saut de merde, ça. On l'a vu. Saut de merde. J'ai de la chance. Non, je vais pas le taper parce que si c'est un bloc qui se casse... Ça, je le sens mal, ça. Ah. Ok, on est à la fin. En fait, faut vraiment penser à prendre de l'élan parce que sinon, il fait un saut plus haut que loin, en fait. C'est ça, le truc. Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir d'un monde 5, en fait. Où je suis mort, mais... C'est peut-être... Des mauvais souvenirs, je sais pas. Ah, normalement, si je me trompe pas, ça serait le monde 5. Non, ça ressemble pas à ce monde dans lequel je suis mort à l'époque. Je me souviens, en fait, d'un coin avec de l'eau. On a une sorte de petit ponton. Il y a de l'eau en bas, mais c'est pas de la vraie eau. Et je dis, il faut pas que je tombe dedans et je crève. Je tombe dedans. En fait, sans faire gaffe. J'ai un souvenir de ça, en fait. Ah, mais what? Mais j'ai appuyé. Ah, putain. Ah, la manette. On va me dire que je critique la manette, mais bon. Là, c'était vrai, là. J'ai pourtant appuyé hein, pour me baisser, mais... Ça a pas bien compris. Ok. Le petit saut à la con, là. Ah, je l'ai fait trop tôt, mince. Je suis parti un peu trop tôt. Tant pis. Tant pis. Ok, donc on est au monde 5-4. Ah. C'est celui-là avec la grande barre. Ah, putain, j'ai glissé. Il me reste plus que 2 vies. Oh là. Oh. J'ai vraiment du mal. Hein. Ah, bordel. En fait, je vais oublier ce champi. Je vais pas le prendre. Il me reste une vie. On va pas prendre le champi, je pense. On va passer et... On verra. Ah, putain. On verra si on y arrive. Putain, mais regardez-moi les petites plateformes de merde, là. Putain. Ok, ça passe. Là, pour le moment, il crache pas de... C'est pas craché, mais... Il jette pas de marteau. Oui, mais on va falloir peut-être que tu recules, hein, mon gars, hein, parce que là... En fait, je pense que si j'avance pas, il va pas avancer, il va que reculer. Oui ! Oh, ça passe. Ça passe. Bon, avec une vie restante, donc ça veut dire que j'ai encore le droit de mourir une fois, et je crois qu'après c'est mort. You gain, ok. Viens. Allez, hop, voilà. Allez, on court. On essaye d'aller le plus loin possible. Y'a pas un petit passage, là? Y'a pas un petit champignon? Ouais, si. Ok. Bon, avec un champi, je me sens un peu plus à l'aise, on va dire. Bon,
enfin je dis ça. Ouh, si c'est bon. On est à la fin du level. Tout va bien. Hop là, voilà. Bon. Même s'il y a des petites erreurs, hein, des petits problèmes, des petits trucs. Donc bien sûr, hein, les personnes qui regarderont cette vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez participer. Hein. Faut juste se filmer en discutant, hein, comme je fais. Tout le monde peut le faire. Y a pas un petit bloc, là. Je sais pas, bizarre, hein. Et, suivre les règles, hein. En espérant que les règles sont les bonnes, que j'ai bien compris les règles, que c'est bien qu'on a le droit qu'à 5 vies. Ok, ici on a un petit passage aquatique. Un plaisir. Non, putain. Je voulais pas passer sous cette putain de plateforme. Wait! Oh, il y avait un chip qui me fonçait dessus. Dis-moi, il y a un truc là, non? Merde. Ok. Tu viens un peu doucement parce que... Putain, il me parle pas du tout ce niveau, c'est... C'est chaud, en fait. J'ai très peu de souvenirs des niveaux... Quand on commence à être dans les mondes 6, 7, ces trucs-là... En mode... Ah ouais. Ok. On avait ça dans... Les niveaux ressemblaient à ça. Ok. Bah, pourquoi pas, hein. Je prends mon temps, hein. Comme vous avez pu le remarquer. Ok. Le 6-3, je ne sais pas pourquoi c'est le 6-3, je sens que ça va être l'horreur. Ça va être un truc avec des chips qui sautent partout et là je vais mourir. C'est sûr. J'en suis sûr et certain. Oh oui, ce niveau gris. Non, ça va. C'est pas un niveau... Ça n'a pas l'air d'être un niveau où il y a des chips qui sautent partout, ok. Ah non, pourquoi? Putain, mais j'arrive vraiment pas à comprendre, en fait. D'accord, en fait, c'est quand on remonte, il faut appuyer, d'accord, ok. C'est quand même compliqué, hein, de comprendre le système. Ok. D'accord, ça c'est bon. Ah, des bilballes. Des bilballes. Bon, ça va, ils ont l'air d'être assez gentils. Ok. Ouais, une fois qu'on a compris comment ça marche, le système de... Ah, faut aller vite. Sur son. Ok. Non, ouais, je sais pas trop quoi vous dire, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu... Ah merde. Et j'ai eu peur de me faire toucher par la barre, en fait. Non. Tant pis, on aura pas de champi. Tant pis. Let's go. Ouais, alors, faut être concentré sur le jeu, mais en même temps, faut discuter, faut dire des trucs, faut être passionnant dans la vie, hein, mais c'est un peu compliqué des fois. Hein. Me dis pas que tu craches des putains de marteaux, s'il te plaît, parce que... Ah bah bien sûr que si, il est crash, ces putains de marteaux de merde. Bon, je crois que c'est ma dernière chance. Je crois que j'ai pas le droit à un dernier essai, je crois que c'est le dernier coup, hein. Non.
Non mais regardez-moi ce foutoir là, putain. Ah bah voilà, bon bah tant pis. Eh bien je serais décédé au 6-4, tout simplement. Donc voilà, donc merci de proposer de nouveau des tournois, monsieur Mr. Kintaro. Parce que ça fait toujours plaisir et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait, on pouvait plus faire ça, hein, donc c'est cool. J'espère que ma petite participation vous aura plu. On va s'arrêter ici, hein, tout simplement. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez bien sûr vous abonner, vous pouvez bien sûr mettre un petit commentaire, ça fait plaisir à la chaîne et ça montre le soutien à cette dernière. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous dire à plus et à la prochaine. Et bien sûr, si vous voulez vous-même essayer ce défi, vous pouvez. Vous avez juste à jouer au jeu en vous filmant et en parlant. Voilà, tout simplement. Donc, à plus. Salut !